Pour la circonstance, on arrive des quatre coins du pays. Dans un chaudron en cuivre, on prépare le halva. Des noisettes et des grains de sésame, des œufs, du sucre, du safran et de la cardamone forment un mélange auquel on ajoute de l'amidon. Le tout est porté à ébullition pendant au moins 2 heures. C'est la douceur préférée des Omanais. Délicieux. Pendant le festival, les artisans viennent de partout pour présenter leurs spécialités. Les hommes sont séparés des femmes dans la société musulmane. C'est une règle fondamentale ici. Dans la réalisation des objets quotidiens, les matériaux les plus divers sont utilisés par les artisans, notamment les fibres végétales. Les gestes et les attitudes se reproduisent à l'infini. Toutes les catégories professionnelles sont représentées et tous les milieux naturels. Le meilleur de la production artisanale trouve ici une vitrine animée, de la mer à la montagne et du village au désert. On se détend en jouant à l'awalis. Et on étudie même le Coran dans une petite médersa, une école coranique.